Bonjour à tous, c'est Emmanuel Curtil. Yo, petit mâche. Et non, vous ne rêvez pas. C'est bien Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey, qui double Virène dans Le Prince des Dragons. D'ailleurs, pensez à liker, partager, commenter et activer la cloche. Ça me ferait plaisir. Et bien sûr, de vous abonner. Ok, là, c'était bizarre. Maintenant que je suis bien installée, parlons un peu de Virène. Voulez-vous? Attention, Virène dans Le Prince des Dragons, alors donc, alerte spoil. Et au fait, Mike Star, un YouTuber, lien dans la description. Ah, vous voyez, ce que je ne comprends pas chez vous, les gars, c'est que vous aimez plus Arafos que Virène. Attention, je sais. Chacun ses coups. Mais ne vous inquiétez pas, je vais en venir. Donc, aviez-vous remarqué, Virène, avant de connaître Arafos, il était plus sympa, vous êtes d'accord? Je dirais même beaucoup plus sympa. Oui, bon, d'accord, il a fait quelques conneries par-ci par-là, je dois le reconnaître. Mais, franchement, quand même, quelqu'un qui est intelligent comme moi, enfin, je ne me vante pas, bien sûr, mais c'est la vérité. Et puis, de toute façon, on ne connaît rien des intentions, enfin, des véritables intentions du mâche noir elfique. Le véritable mâche noir, c'est lui, pas Virène. Faites-vous ça à l'idée une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît, par pitié. Le véritable méchant de l'histoire, c'est lui. Et personne d'autre. D'ailleurs, avez-vous remarqué que c'est que Virène qui peut entendre et voir Arafos? Et qu'est-ce que les scientifiques croient? Ils croient que c'est Virène le méchant. Parce qu'il ne voit ni entend pas Arafos comme lui, il... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, c'est particulièrement honteux. Et triste. Tout ce que veut Virène, c'est protéger sa famille et ses amis. Enfin, bref, ce qu'il aime. Mais... malheureusement, je pense qu'il fait pas la bonne manière. Il croit bien faire, quoi. Donc, en fait, malheureusement, c'est triste, mais Virène, il n'est que la marionnette d'Arafos. Et j'ai également fait plein de théories sur YouTube. Du prince des dragons en général et tout ça. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous surtout.